Son dada, c'est l'intégrité professionnelle, ce qui lui vaut l'admiration de tout le personnel du ministère des Affaires étrangères. Benjamin Bunkulu, ce nom s'identifie simplement à la diplomatie. Diplomatie au sens où l'entendaient Molotov, Kissinger, Couve de Murville et autres Chevarnasé. L'homme est très discret, qualité requise pour un fin négociateur. Il le doit à un background rempli. Institut international d'administration publique de Paris, Académie de droit international à la Haye aux Pays-Bas, Institut des relations internationales de Genève en Suisse, en plus de plusieurs stages pratiques à l'ambassade de France, à la Haye, au consulat général d'Amsterdam, auprès des institutions spécialisées de l'Organisation des Nations Unies à Genève et de la Commission des communautés européennes à Bruxelles. Il a été successivement ambassadeur itinérant et conseiller diplomatique du président de la République, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Congo en Angola, en Éthiopie, en Algérie. Sénateur, il a été élevé à la dignité d'ambassadeur du Congo sous le gouvernement de transition. Benjamin Bunkulu, 50 ans, est marié, père de 4 enfants, commandeur de l'ordre du mérite congolais.